une chèvre à côté de lui. Il y a quoi dans la savane? Des animaux. Donc quand il fait la musique, quand il joue, qu'est-ce qu'il va entendre et qui va venir? Les animaux. Les animaux vont venir. Cet instrument là. Oui, mais c'est quoi ça veut dire? Alors ça c'est quoi alors? C'est la branche du baobab. Et il a creusé. Il a creusé et après qu'est-ce qu'il a mis par-dessus? La peau de chèvre. Et il a fait quoi ensuite? Il a chanté. Il a retrouvé sa maison. Oui, parce que ça fait du bruit. Ah, ça appelait qui? C'est sa famille. C'est la famille, mais il est perdu là-bas dans la savane. Qu'est-ce qu'il y a dans la savane? Des animaux. Les chevaux ont fait 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce qu'il a fabriqué, Sayuba, d'après vous? Quand il a pris la... la branche. Redescend du baobab avec la branche dans la main, la première chose qu'il fait, c'est que comme c'est une branche magique, elle va l'aider à trouver son chemin. Attention. Sa ceinture, il prend la peau de la chèvre et la met bien comme il faut autour de la branche pour faire un bon djembé et commencer à en jouer. Trois chevaux sont arrivés. Où sont les chevaux? Sur le dos des chevaux, il y a, sur ton dos à toi, il y a Saïma.
Sur ton dos à toi, il y a la chèvre. Et sur ton dos à toi, il y a le baobab qui ne veut pas rester là et qui dit, bon, une fois que j'ai un cheval qui est là et grand et costaud, je pourrais peut-être voyager. Ben oui, il a dit le cheval qui a terminé sur mon dos. Et attention, tous les trois, ils s'en vont. Il est 17h ce soir-là, le soleil s'est couché, la lune va avancer et eux aussi. Sur le chemin, il y a des termites. Les termites, ça habite dans une maison à l'extérieur de la terre, pour de vrai, ça s'appelle une termitière. D'accord ? Vous êtes une termitière, voilà. Une première termite, une deuxième termite, une troisième termite, une quatrième termite. Bref, ils habitent dans leur termitière. Vous êtes en train de parler, ils disent parler. Non, on ne va pas parler, ils disent parler termites. Hein, de... Bref, ils sont en train de parler pendant que les chevaux vont arriver. Allez-y. Quand les chevaux arrivent là, le premier cheval avec sa yuba dessus passe à côté, passe à côté. Le deuxième cheval avec la chèvre dessus passe à côté, passe à côté. Mais le cheval qui a un gros baobab, disons, fatigué qu'il est. La fois prochaine, il faut faire quoi? Il faut que vous trouviez parmi les autres animaux qui sont là. Donc on a utilisé les termites, on enlève les termites, vous existez toujours les termites. Hein. On enlève le cheval, le chevaux. Parmi ces animaux-là, il faut que vous trouviez quel est celui, il faut un groupe d'animal. L'animal qui vraiment la nuit est le mieux adapté pour voir et peut-être pour ou tendre des pièges. L'araignée, d'accord, on l'a choisie. L'araignée, elle tend des pièges. Mais heureusement, pour déjouer les pièges de l'araignée, les termites ont creusé et les trois chevaux ont continué leur voyage malgré le baobab qui a été grignoté, complètement bouffé, bien digéré. Et toi, tu es rudement contente parce que maintenant, c'est moins lourd.